T'avais-tu une chronique? Ouais, je t'envoie ça. Va falloir juste que tu fasses une scène où ce qu'on peut voir nous deux plus ton écran. Ok. On va réagir à des vieilles publicités. Ok. Des publicités des années 80. Ok. Puis là, tu m'as envoyé ça, comment? Par email? Ouais. Ok, attends un peu. On va aller chercher les emails. Léo la bonté. Le seul et l'unique. Ah, il y en a beaucoup. Tu t'es inspiré de mon packaging, hein? Hier j'ai écouté le Daily Buffer, puis j'ai vu que tu faisais des fausses pubs. On va y aller avec la première. OK. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Big Mac, McDelta, un quart de lima. Oh my god! Ben oui! C'est toutes les affaires que j'ai vu passer quand j'ai fait le packaging, justement. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Ça m'a tellement fait rire, genre... C'est tellement cringe. Ça, il y en avait deux, trois, là, du gars qui chante vite. Ah ouais? Aujourd'hui, le frais, puis le gars, il rapperait. Un McDelta, un petit... Un Big Mac, je vais juste monter le son là, pour le monde parce que des fois c'est... Avez-vous jamais pensé pourquoi au bon marché peut vendre au plus bas prix? La deuxième. Avez-vous jamais pensé pourquoi au bon marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toile et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas de intermédiaire. C'est quoi? Je pense que c'est de ces vidéos-là que les Français s'inspirent quand ils essayent d'imiter l'accent québécois. Sûrement. Pendant que vous attendez, il n'y a pas de intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperie, édredon, literie et accessoires de table de bain. Toujours au plus bas prix. On dirait que le réalisateur va juste punch dans le vide. Ah oui, punch dans le vide. Mais c'est toutes des affaires. Là, c'est toutes des affaires que j'ai mis dans mon packaging. Attends, on va une troisième. Hey, le bleu, grande nouvelle. La section des sports de la presse est en tableau. Et tabarnouche! T'as quoi? Et t'as... Celle-là, je l'ai pas mis, par exemple. Celle-là, je l'avais jamais vue. Hey, le bleu, grande nouvelle. La section des sports de la presse est en tabloïd. En t'as quoi? C'est Régent... C'est Pinot! Tabloïd. C'est pratique. Ça se tient bien le matin dans le métro et l'autobus. Hey! Tu parles de Régent Houle? Ça parle de moi? Ça me donne le goût de chanter. Surtout pas, Mario. Restons dans le sport. La presse, deux dans un. Du sport comme vous l'aimez, dans un journal comme vous le voulez. La presse, deux dans un. Oh my God. Oh my God. Là, on est rendu au quatrième, c'est ça? Je pense. Oh my God. Ah, il y en a que j'avais pas mis, Sophie, que j'ai pas mis dans mon paquet. Des belles faufounes là-dedans quand même. Tabarnouche, ça passerait pas, ça! Ça passerait jamais, ça! Ben même non, si tu veux vendre des jeans, plus de même tu peux vendre des jeans à cette heure. GWG, les jeans qui s'ajustent. Les jeans te font un beau jean. C'est ça que je te vends. Oh my God. OK. Le cinquième. C'est ça? Le cinquième. Ah ouais, je l'ai dans mon... Je l'ai dans mon packaging, celle-là. Ça, c'était une toune. Tout le monde chantait ça. Mais pourquoi? Moi, j'en veux. Ben, tu sais, c'est un jingle. Tout le monde accrochait. Je travaille dur pour mon argent. C'est dingue! Moi, j'en ai pour mon argent. Moi, je trouve ça tellement cool. Lui, il n'y a pas la voix de sa face. Lui, là, tu remarqueras bien, là. OK, là, ça paraît pas trop, là. Mais la dernière, là, c'est Dak, là. On dirait que c'est une fille qui chante par-dessus. Il n'y a pas la voix de sa face. C'est Dak!
Moi j'en ai pour mon argent, distribution au consommateur. Est-ce qu'à cette époque-là, ça ressemblait vraiment à ça, la vie? D'accord!